La non-tenue d'une élection crédible, considérant que le maintien de M. Alassane Ouattara en qualité de chef de l'État est susceptible d'entraîner la guerre civile, les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition est présidé par M. Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA et de la plateforme CDRP. Le Conseil national de transition a pour mission de préparer le cadre de l'organisation d'élections présidentielles justes, transparentes et inclusives. Mettre en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition. Convoquer les assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire. Les partis et groupements politiques de l'opposition félicitent les Ivoiriennes et Ivoiriens pour leur victoire face à la forfaiture de M. Alassane Ouattara et les appellent à exprimer leur joie par des manifestations populaires. Les partis et groupements politiques de l'opposition affirment que le mot d'ordre de désobéissance civile est maintenu et demandent au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu'à la victoire finale. Fait à Abidjan le 2 novembre 2020, les partis et groupements politiques de l'opposition. Je vous remercie.